famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, finalement, une nouvelle vidéo, hein, après tout ce temps, après un mois d'absence. Donc voilà, je vous fais une vidéo DIY. Je fais un tableau, les tableaux pour ma tête de lit. Donc voilà, je suis dans ma chambre, je suis en train de faire cette vidéo. Voilà, donc je sais pas, je me suis maquillée. Je me sens comme un monstre quand je me maquille. Halloween, c'est Halloween. Bref, donc voilà, j'ai fait des tableaux. Vraiment, c'est quelque chose de rapide, quelque chose de simple à réaliser. Franchement, je voulais faire quelque chose de fait par moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu longtemps. Je voulais pas faire de vidéo. Bon, c'est pas évident aussi avec le travail, les enfants. C'est pas évident, maman solo, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, j'avais pas le temps, j'avais pas le courage, j'avais pas la force et j'ai trouvé pas aussi les tableaux. Donc, voilà, finalement, j'ai trouvé les tableaux. Donc, restez jusqu'à la fin. Vraiment, c'est simple. C'est vraiment, je vous ai tout montré, j'ai rien caché avec juste. Deux, trois, on va dire trois trucs, vous réalisez un joli tableau original. Donc voilà, regardez jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, surtout liker, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, ça me fera énorme plaisir. Et merci pour ceux qui sont là depuis le début jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci mille fois, mille fois, mille fois, mille fois, mille fois de vos commentaires, de vos. Hein, pour les nouveaux abonnés, je vous fais des gros bisous. Bienvenue à la maison. Hein, je vais faire des efforts de faire beaucoup plus de vidéos. Vraiment désolé pour mon absence. Donc voilà. Donc sans plus tarder, allez, je vais arrêter de papoter. Let's go! On y va à la réalisation des tableaux. Voilà, là on vient, je vous présente ces sets de tables en mode feuille qui sont super magnifiques, c'est vraiment joli, j'adore, c'est en doré, voilà, même de l'autre côté la couleur n'est pas mal, c'est un peu comme un jaune, un peu un jaune terne, un peu vert, comme vert, franchement. C'est vraiment magnifique. Je l'ai eu au magasin à 1,5, 1,49 €. Oui, c'était ça le prix. L'unité. Je trouve ça juste magnifique. Et j'ai pris aussi le modèle là que je trouve un peu magnifique aussi. Vraiment, les carrés, c'est bien taillé en petit, format. Franchement, je trouve le rendu, disons, le modèle aussi magnifique. Donc, je vais faire mes tableaux. Je vais customiser mes tableaux. Hein, quelque chose de unique, quelque chose de moi, quoi. Donc, je vais mettre dans ma chambre, comme je vous avais promis la dernière fois. Donc, voilà. C'est vraiment, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, hein, de liker, de partager. Hein, ça me fera toujours énorme plaisir, surtout laisser les commentaires. Vraiment, quand je lis vos commentaires, ça me fait vraiment du bien et ça me va droit au cœur. Je me dis, voilà, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, voilà ce que tu fais, on aime. Il y a d'autres aussi qui disent, ah, voilà, ça, c'est pas bien. Vraiment, je suis vraiment ouverte à tous vos commentaires. Donc, voilà, ça, c'est le tableau que je veux mettre. Ce tableau, normalement, depuis un moment, j'allais déjà le faire, mais il n'y en avait plus. J'achète ça, le tableau, j'ai acheté à Action. Je trouve que le prix, j'ai jamais comparé les prix, mais à Action, je l'achète à 2 euros, je crois, 2 euros et quelques, je me rappelle plus exactement. Moins de 3 euros et... Pardon, j'ai baillé. Et voilà. À moins de 3 euros et ma set de table que je vais mettre dessus, donc ça va me faire un tableau de moins de 5 euros. Donc je suis trop trop contente. Voilà, c'est avec ça que je vais utiliser. Thank you.
Voilà, là on attaque le deuxième tableau avec la fleur, la feuille, pardon, avec la feuille. Donc je remets aussi la colle. Voilà. Il y a trop d'espace, donc j'essaie de mettre la colle où il n'y a pas vraiment d'espace, c'est pas évident. Donc voilà, normalement c'est avec le pinceau que j'allais faire, mais j'ai cherché mon pinceau, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé mon pinceau, donc comme les enfants dorment, j'ai pas envie d'aller fouiller dans les affaires. Donc du coup, je laisse, je fais comme ça. Mais avec l'autre, j'ai réussi, pourquoi pas avec la feuille. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment simple et saisi. Franchement, ça, c'est juste waouh, c'est juste magnifique. Vraiment, vous allez m'excuser parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un mois au moins que j'ai pas fait de vidéo. Oh, la flemme, le travail, les enfants, c'est pas évident, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que. Et puis, je voulais faire ce DIY parce que dans ma chambre, j'ai voulu changer la tête de lit. Donc voilà, donc j'ai changé. Et là, vous voyez que j'avais mis déjà la colle sur le tableau. Donc, je prends ma feuille, je pose délicatement. Hein, voilà. Et j'essaie de bien centrer ça. Waouh, c'est joli, c'est magnifique, franchement. Moi-même, j'étais déjà fan. Fan numéro uno. Mama, que belli, que bello. Et bellissime, guarda. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, franchement. C'est simple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais si vous aimez les genres de vidéos, les genres de DIY, laissez-moi en commentaire. Je vous montrerai parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé aussi. Donc, j'ai d'autres modèles. Vraiment, si vous êtes intéressé, je le ferai. Comme ça peut donner des idées à d'autres personnes aussi. Mais il y en a beaucoup qui ont trop de travail. Ils n'ont pas le temps de le faire. Il faut avoir de la patience. Vraiment, c'est la patience qui compte. Si tu n'as pas de patience, tu peux pas le faire. Donc, voilà. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas de patience qui m'ont demandé de faire ça pour eux. Donc, je suis en train de faire. Donc, si vous voulez que je filme ça, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, regardez-moi ça. Hein, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et l'autre, je ferai en coulisses et voilà. Et voilà, mes tableaux, c'est juste magnifique. La vidéo tombe à la fin. Donc voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais moi, j'adore. Vraiment, je suis vraiment contente de mon travail. C'est simple et rapide. Bye, à bientôt.